Attention, le jeu est reparti, on a relancé, on a continué. Albel a trouvé la solution. Je t'avais dit que c'était moi l'expert. Là, on fait monter la petite barre. En fait, c'est du toucher coulé. Il faut un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Faut rien mitrailler, contrairement à ce qu'on faisait au début. Au jeu précédent aussi. En fait, il faut appuyer sur la direction et appuyer sur croix. Et elle redonne des indications par contre, la suite. Là, la barre de plaisir, elle monte pas du tout assez haut comparé au stress là-haut qui monte et qui fait game over. Il faut aller plus vite quelque part. Il faut aller quand même aller plus vite. Mais en même temps, plus loin, tu peux appuyer plusieurs fois peut-être. Non, il faut faire plus vite. Elle est chiante, elle. Donc, si vous n'avez pas vu la première vidéo, on s'est mis ce jeu qui traînait dans mon armoire pour faire une petite vidéo fun, détente, tous les deux. Non, il fallait plus vite, mais il n'y a pas le temps. Les indications. Vas-y, rechaîne. Au fur et à mesure, mais. Ça apparaît pas assez vite à l'écran. Ouais. À gauche, à droite. En même temps, la barre de plaisir, elle redescend. Il faut mitrailler plus vite. Quand tu dis là, c'est ça, là. Appuie, continue. Ouais, mais après, elle fait ça. Pas trop. Voilà. Quand elle commence comme ça, il faut aller doucement. Et là, faut mitrailler. D'accord. Allez. Ah oui, c'est... Ah. Tout à fait, c'est mitrailler tout à fait en haut. Il faut appuyer plusieurs fois. Allez. Jusqu'à ce qu'elle dise un petit peu moins... Oh non, la barre, ça, elle redescend. Allez, mitraille. Allez, Sophie. Allez. Saleté. Tu vas après je mitraille. Comme ça on pourra passer au jeu suivant. Attends, je vais y arriver. Allez. On rappelle, c'était juste un massage. Je sais. Merci, M. Chéri. Tu vas être fatigué. Elle m'a vidé. Il est épuisé ou il est content? Les deux. Quoi? Elle a sauté dans le vide? Donc, on en a vu. Hein, c'est une collègue, en fait. Elle danse avec toi au bureau, c'est ça? Voilà, vu au début du jeu. Exactement, elle. Quoi? Est-ce que c'était vraiment une collègue? Il a vraiment pas de chance ce type. Hein. Mais je suis pas sûr qu'on change de personnage. Parce que là, la première mission c'était lui, la deuxième c'est encore lui. Je sais pas, peut-être pour la suite. Il n'y a pas eu du vide gagné là, c'est ça. Hein. Sauvegarde, j'ai pas envie de faire ce mini-jeu horrible. On n'enlève pas la carte mémoire. Hein. Surtout pas. Hein. De la PS3, faut pas. Hein. La carte mémoire de la manette, il disait. Je sais pas pourquoi. Non, ni retirer la manette. Ah oui, non, faudrait surtout pas retirer la manette sans fil. Hein. Voulez-vous remplacer le fichier d'origine? Alors, ok.
Oui, car je sais pas si ça a été précisé au début, on joue sur PlayStation 3. Voilà. C'est quand même important de le dire. Ah bon? Oui. Chapitre 3. Il fume ou je sais pas quoi, il y a de la fumée, il y avait quelque chose avec smoke. D'accord. En fait, son truc, c'est qu'il est jamais là au bon moment, apparemment. Oh. Hop. Oh. Quoi? Oui, c'est le jeu avec les lumières et les sons là. Une dépendance Bay. Ah. Ouais, c'est ça. Une dépendance Bay. Protéger l'OVNI. Bah écoute. Ah oui, j'ai eu dans la notice une histoire d'extraterrestre. Je crois genre la fille du personnage là, elle est mariée avec un extraterrestre ou un truc du genre. Ah bon? Elle a fait un enfant. Oui, oui, oui. Quoi, elle a fait un enfant déjà? Oui, mais je crois oui, comme ça, où elle est mariée. Éliminer les missiles qui attaquent l'OVNI. Servez-vous des boutons de direction pour viser et du X pour tirer. Bon. Je tire donc sur autre chose que l'OVNI, hein, c'est ça? D'accord, oui. Tu dois tirer sur les missiles qui arrivent sur l'ennemi. Sur les missiles? J'ai pas vu ça. Là. J'ai pas vu ça. Si, les cibles rouges. Non, mais... Là. Dans les explications, j'ai pas vu ça. Si, c'est tirer sur les missiles qui attaquent l'OVNI. Et si je rate, ça touche l'OVNI? Ben oui. Et ça fait monter ta barre de stress. Et comment je sais quand j'ai fini, là? Qu'est-ce qui représente la fin du truc? Je pense que ce sera un petit clin d'œil à Independence Day. La fin où il y a un avion qui fonce au milieu. Désolé pour le spoil pour ceux qui ne l'ont pas vu. Non, mais tout le monde l'a vu ce film, faut pas déconner. D'ailleurs, il y a une suite qui va sortir. Quoi? Oui, bien sûr. Independence Day 2? Je sais pas si ça va s'appeler comme ça, ou Will Smith est président. Il est devenu président. Et c'est entre autres pour ça qu'il a accepté de faire le film. Parce qu'il était président dedans? Oui. Bon, il aurait... Ah bon? Il aurait des envies autrement que d'être acteur, de rester acteur, donc peut-être il va se lancer dans la politique, mais... Ah. Bon, alors, ce que j'ai lu, c'était une blague, mais... Est-ce que... Oh, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je blague. Fais? Il y a un timer, c'est un timer là-haut, là? Oui. À gauche? Voilà. Il est pas très vif. Oui, il est loin d'être arrivé en à zéro, et toi, t'es grave dans la merde. Mais je me fais toucher, et en plus, il se fait toucher lui aussi. Ouais. Je pense que ça influe juste sur ta barre de stress, quoi. Ah oui. Ça y est. Ce qu'on me tire dessus, c'est ça? Voilà. Bon, on tire dessus, on tire sur le vaisseau. Je vais essayer. Et ah oui, éliminer les missiles. C'est difficile à dire ça, si. Vas-y, dis-le. Éliminer les missiles. Éliminer les missiles. Encore. Éliminer les missiles. Encore. Éliminer les missiles. Bon, ça va. Vas-y, j'ai une assez bonne locution, ça va. Vas-y, essaye toi. Non, mais moi je peux pas, je joue là. Essaye. Non. Si, ça les je touche bien les missiles. Hein. Oui, oui. Il y en a 4 là, comment je fais? Tu élimines bien les missiles? J'ai éliminé bien. Yep. Je peux pas te tirer directement sur les bateaux, ça sera plus rapide. Ça fera gagner du temps parce que là... C'est sûr, oui. Ah, ça y est, tire dessus cette fois. Ah ouais, mais bon... D'accord, il tire plus sur le vaisseau. Là, il tire uniquement sur toi. Mais je peux pas le viser dessus, là. Il est trop bas, directement. Tu peux pas aller plus bas que là? Mais non. D'accord, c'est super bien fait. C'est pour ça, moi, je pense qu'il faut tirer sur les bateaux, hein. Non, ça marche pas. Non, faut attendre juste que le timer se termine, quoi. Ouais, voilà. Ouais.
Ah, il recommence à tirer sur l'OVNI. Oh. Vas-y, tu vas y arriver. Plus que 100. 100 ? Oui, c'est bon, je sais pas. 70 ? Oh, c'est bon. Ouais. La deuxième aurait été la bonne. On a été voir les mini-jeux, l'option mini-jeux, et c'était que du contenu bloqué. Et comme on n'avait pas sauvegardé, je pense que c'est normal. On doit pouvoir refaire en mini-jeu ce qu'on a déjà fait là dans le mode histoire. Voilà, dans le mode histoire. Et améliorer le score peut-être, je sais pas. Ouais. On ne voit pas tous les jours un homme mûr tomber du ciel. C'est quoi cette allusion à l'homme mûr? C'est bon, pas de problème. Les graphismes, on dirait Musashiden. Je sais pas si tu connais ce jeu. Brave Spencer Musashiden. Oui. Un jeu coréen japonais de la PlayStation. Et bizarrement, le deuxième est sorti en France. Avec des personnages très 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 japonais. Tiens. Albel à la manette, c'est lui qui va. Alors, éliminer les missiles. T'as plus d'excuses. Bon, maintenant. Donc là, il s'agit des copies. Alors, pour en faire le saut, appuyez sur. Éviter les objets qui tombent avec le parapluie en utilisant les boutons. Ouais, ça a encore l'air. Vide le seau avec triangle. Voilà. Non, non. Remplis un seau avant de le vider. Voilà. Pourquoi tu sautes, tu jettes deux fois le seau? Ah! Voilà, c'est tout. D'accord. Ah. Ah, j'ai fait gauche ou droite, là. Pour parapluie, gauche-droite. Ouais, c'est ça? Pour ça, ouais. Ouais. Je crois qu'on peut s'attendre à tout, hein, vu ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ça peut partir très loin. Hein. Mmh. Là, il se retrouve catapulté sur un petit bateau, vidé ça, qui prend l'eau. Pourquoi il prend l'eau? On n'a pas vu? Je sais pas. Bon, m'arrête de parler, concentre-toi. J'ai même pas le temps de remplir le seau ou quoi. Mais, qu'est-ce qu'il fait? D'accord. Je vais recommencer un petit peu. Hein. Toi, t'as beaucoup loué avant. Elle te ressemble un peu la tête du mec là. Lequel? Le marin là. Le marin? Ouais. Et lui, il faut rien. Non, il danse. Mais pourquoi il danse? N'importe quoi. Parce qu'il est con. Oh. Allez, bouge! Je crois qu'il va essayer de vider avec un seau troué ou quelque chose comme ça. Il perd son seau dans l'eau. Il croit que c'est bouché et après, hop, il va se refaire dégager. Là, je vois l'eau descendre, là. L'eau qui est dans le bateau, je la vois descendre. Là, j'ai l'impression qu'il y en a moins. Ah. Non, j'ai pas l'impression qu'on a moi là. Et qu'est-ce qu'il dit que c'est la fin? Ah, il y a un timer là, 500. Je sais pas combien il a commencé, mais il va pas très 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 vite. Hein. Non. En même temps, ta barre là-bas elle monte pas. Ta barre de stress là. Même quand on vide les seaux, ça descend la barre de stress si jamais elle est montée. Oui, voilà donc. Bon. Voilà. Non, mais ça sert à rien. C'est un bonhomme qui te tombe dessus, un parapluie. Même s'il est rose, donc là par contre c'est un poisson, je pense. Ah bon? Oui. Où ça monte? Oh là là! Ça monte la barre là. Pour l'instant, notre pilote de bateau est. Dans la nature. Enfin, on est dans son bateau, donc bon.
Oui, voilà, oui, je sais pas ce qu'il fait. C'est lui qui te balance, non? Ah, voilà, très bien. Les murs. Eh, il y avait un espèce d'hamburger. Ah, ah bon? Ouais, mais bon, je sais pas, je suis pas sûr. J'ai l'impression qu'ils nous mettent des blagues aussi dans les missions, là. Genre l'ours qui danse au milieu des gens qui jouent au basket, là. Ça fait très japonais, ouais. Ouais, mais je pense qu'ils nous mettent des petites blagues. 150, c'est bon, 100, c'est bon, ça. Ouais. C'est bon, ça va être bon, là. Vite, jette l'eau avant qu'il me tombe dessus. Ah, si tu l'as jeté, c'est bon. Ouais. Jette. Oh, oh, oh. Ouh, ça monte la barre, là. Non, ça va. Ah, il a il est revenu, là, dis donc. Il danse, lui, ouais. Ouh, qu'est-ce que c'est, ça? Un bouchon? Ouais, quelque chose de... comme ça, ouais. Gantz. Ah, c'est dans le métro, c'est pour moi. Et Gantz. Je vais tous les jours. Ah. Ah non, pas elle. J'ai coupé les freins. J'ai coupé les freins et quoi? J'ai tué le chauffeur parce que ça suffit pas de couper les freins. Pas... Oh là là. Et la grand-mère? La grand-mère avec le chien. C'est sa grand-mère à qui? Sa mère à lui ou à sa belle vue? À sa femme? Ah, mais il n'y avait rien en fait, il n'y avait pas de jeu. Il n'y a pas de jeu là. Il n'y a pas de jeu, non. Non, bon. Oh, c'est sa mère à lui. Il a dit ça à maman? Une chérie, je suis rentré, mais bon, je pense pas qu'il s'adressait à elle directement, quoi. Ah. Là, il n'y avait que deux missions là dans ce. Chapitre là, on va dire. Et voilà, quand tu joues, t'as C, moi quand je joue, c'est A. C'est la classe. Encore sauvegarder. Ouais. On ne va pas toucher la memory card, ni enlever la manette. Pour la memory card, on aurait un peu de mal, hein. Si, mais en éventrant le... Ouais. Ah, un truc avec la bouffe. Ce serait étonnant qu'il n'y ait pas... Et la femme elle... Ah non, oui. Ah, bah c'est bien, elle va faire les courses. Ah non, c'est pas la... Qu'est-ce que c'est? Bah c'est un braquage. Ah ouais. Oui, mais j'avais compris, mais... elle est pas... elle fait pas des courses, là, elle est dans une banque. Aller vers la sortie. Appuyer sur X plusieurs fois pour avancer. Si les voleurs sont proches. Si les voleurs sont proches, reculer avec le bouton triangle. Ah. Utiliser les caméras pour les repérer. Il faut que j'essaye de... Voilà, t'es en haut à gauche. La caméra en haut à gauche. Ah. Là, tu t'es fait repérer. C'était une vie ça? Une vie de perdu déjà? Oui. Oh là là. Je sens qu'il va être bien chiant comme jeu. Si les voleurs sont proches... Ah oui, c'est un point. Et puis X plusieurs fois, si les voleurs sont proches, utilisez des caméras pour les repérer. Attention quand le détecteur de voleurs vire au jaune. D'accord. Alors, là, il est très loin le voleur, hein, en vert. Il est au jaune. Et c'est jaune là. Qu'est-ce qu'il passe? Il est au jaune, je sais pas. Ah, il revient, je crois qu'il t'a repéré. Et je vais pas reculer, je peux rester là, mais non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Ouais, je vais pas reculer à tous les deux secondes quand même. Ouais. D'accord. Et donc, là, c'est quoi, quoi le point rouge? Mais... Faut que tu essaies de trouver un carton pour planquer dedans. Il te repérerait pas.